Bonjour, ma femme Anna me fait un masque. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer soi-même une attestation numérique à masque. Vous souhaitez quitter l'appartement pendant l'épidémie. Alors, il vous faut obtenir une attestation numérique sur le website des maires de Moscou, Sergei Sobyanin. Et donc, ouvrez le site. Ensuite, appuyez sur le bouton « Sort numérique ». Sur le bouton, vous voyez une fille en masque. Après, vous verrez trois boutons. Nommez « Recevoir attestation numérique ». Vérifier attestation numérique et prolonger attestation numérique. Nous intéresse le premier bouton. Première, c'est le type d'attestation numérique. Dans notre cas, c'est seulement un voyage de n'importe quel cas. Deuxième, propriétaire. Indiquez votre nom et prénom, votre deuxième prénom, votre numéro de téléphone et votre courriel. Assurez-vous de remplir correctement la demande. Si les données ne correspondent pas lors de la vérification, vous aurez de gros problèmes. Quatrième type de transport. J'ai indiqué une voiture personnelle. J'ai écrit une plaque d'immatriculation de voiture. Il est possible de voyager en transport et comment. Pour voyager en bus, indiquez votre numéro de carte Troïka. Cinquième, itinéraire, indiquez l'adresse de départ, l'adresse de l'arrivée et une brève description de l'objet du voyage. Sixième, choisissez la date de voyage. L'enregistrement ne prend qui 10 minutes. Si vous sautez sa permission, vous aurez de gros problèmes. En Russie, vous pouvez être condamné à une amende d'environ 200 euros. Pour les Russes, c'est un montant très important. Il est supérieur au salaire minimum. Par conséquent, de nombreux Russes préfèrent fuir la police. Ne quittez pas la vidéo. Je vais vous montrer comment mes papiers ont été vérifiés. Bonjour, monsieur. Bonjour, officier. Prenez vos papiers pour voyage, monsieur. Voilà. Merci, monsieur. Quel est votre but de voyage? Responsable d'achat. Et je veux tourner une vidéo pour ma chaîne YouTube sur les billets belges en Russie. Merci, monsieur. Tout est en ordre. Allez. Bonne chance et gloire à Vladimir Poutine. Merci, officier. Bonne chance. À vous aussi. Et gloire à Vladimir Poutine. Ainsi, des contrôles de passage numérique sont effectués. Le plus souvent, la badge numérique de la voiture vérifie le radar des policiers. Dans cette vidéo, vous verrez un mauvais état des routes russes. La vidéo n'a pas été tournée à Moscou. J'ai filmé ces vidéos dans la région de Moscou. Je vais faire du shopping en magasin. Maître Kachankeri, j'achète des produits de 2 semaines à l'avance pour sortir le moins possible de l'art aux Allemands. C'est tout. Vous pouvez regardez la vidéo si vous êtes intéressé de l'apparence des magasins en Russie. J'ai médicamenté de ce sujet.